Je suis Laurent Audouin, je suis illustrateur de livres jeunesse et je vais vous parler de la série Génial Mon École Part, aux éditions Les Petits Bérets. Le Génial Mon École Part, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on le comprend déjà dans le titre, c'est que ça va raconter pour de vrai un voyage scolaire vu de l'intérieur, comment le vivent les enfants en fait. Donc pour faire cette série, donc il y a déjà 5 tomes de parus, je pars en vrai avec des écoles en voyage scolaire, à chaque fois une école différente pour que ça reste frais dans le propos, que les enfants ne sachent pas ce que je vais expliquer. Et pendant tout le temps du voyage, je vais noter tout ce que disent les enfants, tout ce qu'ils font, de façon à le raconter, comme si on vivait le voyage pour de vrai. Donc pour faire cette série, il a fallu que je crée des personnages, bien sûr, qui vont raconter ensuite tout ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc Mathilde, qui est l'héroïne, c'est elle qui va être la narratrice. Pierre, son petit frère, qui l'accompagne. 2 ans de moins, donc il vient avec sa classe aussi. Ça permet d'avoir en fait une différence d'âge et des émotions vécues différemment entre les enfants. Et toute une équipe de personnages, voilà, les amis de Mathilde qui sont là, qui vont, eux, catalyser finalement toutes les impressions vécues par les autres enfants du groupe. Voilà. Comme il y a à peu près 20 d'enfants dans chaque classe, je ne peux pas dessiner 20 enfants. Donc ce sont ces personnages-là qui vont récupérer en fait toutes ces informations et nous les transmettre. Donc ils ont un caractère bien précis à chaque fois. Et nous avons aussi, bien sûr, l'équipe enseignante, obligée. Donc le directeur, Monsieur Gomu, que l'on retrouve dans toute la série, voilà, très important. Et l'équipe enseignante qui, elle, va être renouvelée à chaque album, bien sûr, parce que comme les enfants, ils grandissent aussi, voilà. Et comme la série fait que les enfants grandissent d'un an à chaque fois, pareil pour les enseignants, on va changer d'équipe à chaque fois pour renouveler un petit peu le groupe. Voilà. Donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu tout le procédé, comment fonctionne cette série. On va rentrer dans les coulisses. Comme je vous le rappelle, la série Génial Mon École Part raconte un voyage scolaire en vrai, vu de l'intérieur. Donc évidemment, pour le faire au départ, je n'ai rien. Tant que je n'ai pas fait le voyage, mon livre n'existe pas. Il ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de dessin, je n'ai rien. Donc pour le réaliser en vrai, j'ai besoin de faire le voyage scolaire, moi aussi. Donc le matériel dont j'ai besoin, parce qu'il est temps de partir en voyage pour rejoindre les enfants, c'est ce livre blanc qui me servira de chemin de fer, mon appareil photo, indispensable. C'est avec ceci que je vais pouvoir immortaliser en fait tous les endroits où je vais aller avec les enfants. Et mon petit calepin, dans lequel je vais noter tout ce que font les enfants, tout ce qu'ils disent, de façon à rendre le voyage le plus réel possible. Il faut que l'on ait l'impression que le voyage que je vais vivre avec eux, vous puissiez le vivre vous aussi quand vous allez lire le livre. Donc mes affaires sont prêtes. Les enfants, il est temps de vous rejoindre pour le prochain voyage scolaire. C'est parti. Et bien voilà, je rentre tout juste de mon voyage scolaire avec les enfants, c'est tout frais. Donc mon appareil photo est rempli, j'ai dû faire à peu près 800 à 900 photos qu'il va falloir maintenant trier, parce qu'évidemment j'ai largement de quoi remplir mon livre. Mon carnet de notes, de même, j'ai même beaucoup plus que ce que j'imaginais, voilà, plein d'anecdotes, que des choses drôles que j'ai notées pendant tout le temps du séjour. J'ai toute la matière pour faire mon album maintenant, je peux démarrer enfin. Génial Mon École Part. Alors voilà, l'étape suivante, c'est celle-ci. Toutes mes notes sont faites, elles sont toutes dans mon carnet. Maintenant, il faut que je les transcrive pour en faire un album.
Donc, je place en fait les textes. Tous mes textes sont placés dans mes pages et je vais réserver des places pour les illustrations que j'ai commencé à crayonner. Ça s'appelle le chemin de fer. C'est ce qui va donner un petit peu l'ensemble du livre. Tout le déroulé est là. Voilà. Donc, cette première étape, l'étape des crayonnés, elle est très importante évidemment. Il faut qu'on sente du rythme, il faut qu'on sente vraiment de l'action. Donc, c'est ce que je crayonne en ce moment. Quand ce sera fait pour l'intérieur après, je me mets à la couverture. J'ai commencé déjà à la réaliser. Donc, la couverture, la voilà. Je la fais en plus grand parce qu'il y a plus de détails. On a les personnages, tout est là, on a le titre qui est placé. C'est un peu l'affiche de cinéma finalement. Il faut que ça donne envie au lecteur de rentrer dans le livre. Une fois que toutes ces étapes seront faites, on a fini les crayonnés et à ce moment-là, on peut passer à l'étape de l'ancrage. Ancrage, encre de Chine, ma plume, et c'est parti. Je vais repasser chacun de mes traits à l'encre et à la plume de façon à rendre le dessin au noir, finalisé, juste avant le passage à la couleur qui sera l'étape suivante. La partie crayonnée de la couverture m'a pris à peu près 2h30 environ. Ensuite, il a fallu que je fasse l'ancrage à la plume. Donc vous avez vu à peu près, on va dire, 1h, 1h30 de travail encore. Ce qui veut dire que la moitié de la journée est déjà consacrée à ces phases-là. Ensuite, évidemment, il y a les couleurs. Donc le dessin, je l'ai scanné. Une fois qu'il est scanné, il apparaît sur mon écran. Et là, une par une, je vais rajouter mes couleurs. Donc les palettes pour les personnages existent déjà. J'ai déjà mes couleurs, elles sont établies, pas de souci. Pour les vêtements, c'est à peu près la même chose. Ensuite, après, il y a toute l'ambiance qui est, là par exemple c'est maritime, donc une ambiance de mer où je vais choisir des couleurs assez chaudes. Donc une par une, je vais rajouter mes couleurs et par couche, comme ça mon dessin va se monter. Voilà, un peu comme une mayonnaise, ça va monter pour arriver à la couleur définitive. Voilà, le dessin est terminé, il est en couleur, il y a à peu près 2 heures de travail dessus. Voilà, c'est à peu près donc une journée par dessin, surtout pour la couverture qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Voilà, c'est terminé pour cette partie là Bien, donc nous arrivons à la dernière étape, l'impression du livre. Donc, quand tous mes dessins sont terminés, je les envoie à l'imprimerie. À l'imprimerie, on va les reproduire en plein d'exemplaires pour en faire à chaque fois un livre. Donc, la feuille se présente comme ceci. Donc, recto verso, nous avons à plat tous les dessins. Donc, tout ce que j'ai pu noter pendant mon séjour, c'est dedans. On rencontre un phoque avec les enfants au dernier jour de voile, je le mets dedans. On fait une soirée crêpe amusante, évidemment, c'est dedans. On fait la visite du bateau de pêche où les enfants sont malades avec le mazout, c'est forcément dans mon livre. La visite d'un phare avec les enfants qui ont le vertige quand on est à 70 mètres de hauteur, c'est forcément dedans. La pêche à pied où on récupère tout un tas d'animaux amusants, des créatures qui sont des fois bizarres pour les enfants, c'est dedans. Tout ce que j'ai pu rencontrer, tout ce que j'ai pu noter, c'est dans le livre. Rien n'est inventé, c'est forcément que du vécu, comme je vous expliquais tout à l'heure. Tous ces dessins, donc du coup, vont être rassemblés ensuite, collectés, voilà. Et l'imprimeur va les relier entre eux pour en faire un cahier, voilà, qui va être relié, voilà, cousu. La couverture que vous avez vue tout à l'heure, elle va être imprimée à part. Là, voilà, collée sur du carton. Et la dernière étape, ça y est, cette fois c'est terminé, c'est coller cette partie-là sur la couverture. Cette fois-ci, l'album est terminé, il est prêt à partir à la librairie. Alors, vous voyez, entre le moment où j'ai commencé l'album, le voyage finalement, et le moment où le livre a sorti en librairie, il y a à peu près 6 mois. 6 mois de notes, 6 mois de crayonné, 6 mois d'ancrage, 6 mois de mise en couleur et la fabrication chez l'imprimeur avant de partir en librairie. Et voilà, la série se complète d'un nouveau volume. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer, bonne lecture, et puis surtout, mon sac est prêt, évidemment, donc pour le prochain voyage, ce sera peut-être avec vous, pourquoi pas. Donc tenez-vous prêt, peut-être que je partirai un jour avec vous en voyage scolaire pour faire le prochain tome de Mon École Part.